sûr que ces chroniques deviennent presque quotidiennes. Elles prennent une sorte d'autre visage. L'autre visage, c'est simplement... Tu prends ce qu'il y a là, dans les mains, dans le souci ou la surprise. Et puis, peu importe si tu as peu d'éléments, que tu ne sais pas dans quel ordre ils vont venir. Tu me dis, j'appuie sur le bouton rouge, et puis on va voir ce qu'il en advient. Ce que j'ai là, depuis un peu plus d'une journée, les mains qu'on a dans la tête, c'est un nom. Rivka Eisenstein. Tenez, je vous l'écris. Et ce prénom Rivka, j'aurais envie de le répéter même, de vivre avec, parce qu'il s'agit de Régine Robin, et je n'avais jamais eu la curiosité d'aller lire notice Wikipédia, tout simplement, et donc de savoir quel était son nom, son vrai nom. Oui, parce que Paul Vallée, par exemple, c'est un choix délibéré de pseudonyme pour être transparent, pour rester en retrait. J'ai toujours eu l'impression que Régine Robin, j'avais presque des fois l'envie de... Je me souvenais de Mégalopolis, je convoquais dans ma tête le titre du livre, et à ce moment-là revenait le nom de l'auteur. Alors que son nom, Rivka Eisenstein, je crois que je l'aurais peut-être mis dans une singularité plus haute. Ben justement, elle est née en 1939. Vous vous rendez compte ? Naître à Paris, avec ce nom, en 1939, ça veut dire que tout ce que vous avez de vos premières années, de ce qui compte le plus dans l'enfance, c'est se terrer, c'est se cacher, c'est cette menace. Quand elle écrit un livre qui s'appelle « La mémoire saturée », quand elle fait œuvre d'historienne en permanence, elle n'a jamais oublié ça. Alors évidemment, c'est un itinéraire. Elle va faire Normale Sup, à L'Ail et Rose. D'ailleurs, elle doit y être en même temps que Pierre Bergougnou, Jean-Paul Gou. Ça ne veut pas dire que les accointances s'établissent. Une autre chose qui, pour moi, m'attache un petit peu à Régine Robin, on est en 1977, donc elle a quand même 37 ans. Elle est chercheuse, elle enseigne, elle a publié. Et puis, c'est le départ en Amérique. Son Amérique, ce sera Montréal. Pourquoi ça me travaille ? Pas important, elle est accueillie à l'UQAM. Magnifique, magnifique endroit. Encore tout jeune, dans une ville jeune. Mais dans un moment où faire ce choix, ça veut dire que... Est-ce que tu resteras un étranger ou une étrangère au Québec ? Non, elle va y construire sa vie. Sa vie sera québécoise. Son premier livre s'appelle « La Québécoite ». Un roman. Mais ça veut dire se couper de la métropole. On la voit à New York, en train de lire Le Monde et Libération. Elle reste attachée à cette vie intellectuelle. Ce livre, il est publié chez Stock. N'empêche que tu es entre deux mondes et chacun te considère comme étant de l'autre, en fait. C'est quelque chose qui me traversera moi aussi lors de l'année Québec, même si c'était fini à l'époque de cette grande période de migration intellectuelle. Alors, Mégalopolis, si je ne me trompe pas, 2009. C'est sorti l'année même où moi je partais au Québec. Mais les livres sur la ville, pour moi, ça a toujours été une lecture un petit peu permanente, suivie. J'ai eu une veille. Donc oui, j'ai lu Mégalopolis. Je l'ai lu ébloui. Je l'ai lu sans même... faire attention que l'auteur vivait à Montréal. Je crois qu'on s'est rencontrés une fois à Paris, c'était avant mon départ, et puis qu'on s'est rencontrés, moi j'étais invité à l'UDEM, l'Université de Montréal, et puis on avait fait une discussion, une confrontation amicale, complice, sur cette idée de la ville. Ce qui est peut-être étrange pour moi dans l'approche là, juste quelques minutes de cette traversée de Mégalopolis. Bon, Régine Robin est partie, jeudi, il y a 3 jours. Est-ce que c'est du deuil ? J'ai jamais voulu faire de ces réactions-là. On a les noms, on a les douleurs. Il ne s'agit pas de partir dans ces rubriques nécrologiques ou ces hommages.
Il y en aurait trop, ça n'a pas de sens. Mais par contre, quand vous traversez votre deuil, le deuil de Rivka, Régine, Robin, ce que vous traversez, c'est le rapport au livre. Et puis, à revisiter le livre, c'est pas forcément découvrir ou redécouvrir le souvenir qu'on en a. C'est peut-être ça qui va être mon axe pour en parler. C'est au contraire ce qu'on n'a pas perçu, ce qu'on n'a pas attrapé, parce qu'il n'était pas encore temps, et puis ensuite on ne sait plus que c'était là, alors on n'y revient pas. Je vais prendre juste quelques moments de ce livre. Alors ce livre, il est, pour moi, ce qui me relie encore et toujours à ce livre, et qui fait qu'il est toujours là dans mon petit coin, là, avec le rayon des livres sur la ville, c'est qu'à mesure que je le réouvre, que je l'ouvre même par hasard, c'est ce qui me redonne toujours envie d'écrire sur la ville. Mais une envie qui est juste de cet ordre de désir, de pulsion, c'est pas du tout raisonné. Et puis là, ayant repris le livre précisément parce que tout d'un coup elle n'est plus là, découvrir qu'il y a des dimensions que je n'ai pas du tout encore explorées. Par exemple, le début du livre, c'est des études, plutôt, enfin des études, des essais. Walter Benjamin est constamment présent, c'est une des choses aussi qui nous rapprochait, sur des auteurs qui ont travaillé sur la ville. Guy Debord. Mais pour moi, tiens, ça c'est l'exemple. Guy Debord, eh bien je ne connaissais rien aux psychogéographies, je ne connaissais rien aux Debord, à ce mouvement collectif, à ces revues des années 54-56. Alors, on laisse ça de côté, on prend ce qui nous concerne. Par contre, tenez, regardez cet auteur dont elle parle. C'est Bruce Bégou. Bruce Bégou, maintenant, lui aussi, il est dans le rayon ville. Motel, Zéro Police, Le Parc. Mais je crois que c'est par elle que j'ai entendu parler de Bruce Bégou, que je n'avais pas lu à l'époque. Dans L'éblouissement des bords de route. Bruce Bégou reprend la thèse fondamentale de son ouvrage sur les motels. Le flâneur est devenu cruiser. Il avoue qu'il est pris, lui aussi, du besoin de prendre sa voiture, sans but précis. L'errance mobile qui définit le cruising fait de la ville la scène d'un mélodrame qui n'en finit jamais. Il insiste sur ce vagabondage infini des parcours, de ce nomadisme individuel. Critiquant ce mode de vie américain, il explique comment il se fait l'observateur et le scribe de tous ses parcours et pratiques à Phoenix, à Newark ou à Milwaukee, là où végète la classe moyenne sans réalité ni idéal. Je m'assigne chaque jour la tâche du scribe, retranscrivant les menus faits de cette multitude banale qui échappe trop souvent aux archives publiques. Je remplis mes carnets de notes de ses paroles, de ses gestes, de ses pensées. Je tiens la chronique ordinaire de ses mésaventures humbles et de ses jubilations sans lendemain, de ses coups de cœur, de ses peines transitoires. Le texte de Bruce Bégou, après plus de 100 pages de critiques acerbes, se termine par cette confidence. Celui qui pense que j'agis de manière ironique et que je m'octroie les plaisirs faciles de la satire, se méprend. Il n'a rien compris à ma démarche. Cette sous-humanité morcelée et esselée, c'est moi. Et puis, ce double degré. C'est-à-dire, comment elle approche Bruce Bégou? Depuis la ville? Non, elle part de la ville. Et ce qu'elle travaille, c'est comment ça devient écriture? Comment ça se fabrique, écriture? Et là, on a peut-être la piste la plus ténue qui fait que pour moi, Mégalopolis, c'est un livre qui ne me quittera pas, qui ne me quittera plus, qui ne m'a jamais quitté. Alors, il y a cette première partie, qui est cette forme de dérive sur des auteurs. Et puis la deuxième partie, c'est directement des villes. Là encore, quelques exemples, parce qu'il y a New York, on va aller voir, Los Angeles, on va aller voir. Ensuite, il y a Tokyo, Buenos Aires, là vous irez voir tout seul. Et puis Londres, où on va finir par ce truc totalement extraordinaire qu'elle fait à Londres. Mais prenons New York. Comment elle aborde New York? Mais tout simplement, qu'est-ce que tu fais à New York quand justement tu n'y fais rien? T'es culotté? Ben ouais. Que faites-vous toute la journée à New York? Me demandait quelque esprit chagrin. Rien.
Je monte, je descends Broadway, à pied quand je suis en forme, en autobus, la plupart du temps, bien calé à la fenêtre. Je rêvasse, j'observe, je prends des notes sur mes petits carnets vénitiens. Je photographie, j'écoute les conversations, j'entre dans un café, un restaurant, j'écris, je vais au cinéma, je vais beaucoup au cinéma, je remonte par un autre bus ou par le métro, je cherche de la documentation insolite dans les librairies d'occasion, je lis des histoires sur le passé de New York, je vois des amis, je regarde la télévision, les nouvelles, les séries, CSI, Law and Order, 24 Hours, Without a Trace. Je regarde PBS et les informations du soir. J'avais pris beaucoup de photos. La seule façon d'interrompre le flux du temps, de capter une seconde de bonheur, d'émotion, une vibration, une lumière, ciel blafard, blême, laiteux, ciel bleu intense dans le givre de l'hiver ou grand soleil. J'ai photographié la ville partout et à tout moment. Comme ça. Mais ensuite, elle continue. Parce qu'attendez, chaque chapitre, on est dans un gros bouquin de 400 pages. Écoutez ça. Ça, c'est quelque chose dont je me suis toujours souvenu. Un lendemain de tempête de neige, une amie m'accompagne. Nous allons au musée du Queens. Nous prenons le métro, changeons à Times Square, d'où nous prenons la ligne 7, ligne aérienne, qui traverse l'East River et offre une belle vue sur les ponts, puis le Queens jusqu'à Flushing Main Street. Puis nous descendons à l'avant-dernière station, Willets Point Cheese Stadium, bien connu des amateurs de tennis et de baseball. Après avoir longé une passerelle enneigée et traversé une partie du Corona Park, nous arrivons au musée du Queens, qui abrite la précieuse maquette. Ce jouet magique est installé dans ce qui fut une immense patinoire. Les 5 districts de New York y sont représentés. Les quelques 800 000 édifices et ponts de la ville y figurent avec beaucoup de précision. Plus de 200 maquettistes, artistes, géographes et autres spécialistes ont travaillé à ce chef-d'œuvre. Une balustrade surélevée permet aux spectateurs d'en faire le tour, de s'arrêter devant tel quartier, tel district. Une animation permet d'assister au lever du jour sur la baie de Jamaïca à l'est et suivre le trajet de la lumière jusqu'au soir tombant de l'Hudson. De petits avions miniatures sont en attente aux aéroports de LaGuardia, JFK, dans Manhattan. Les deux ensembles de gratte-ciel, ceux de Midtown et ceux de Downtown, ont autant d'élégance et de présence sensuelle que dans la réalité, etc. Ça peut être surprenant. Nous, en Indre-et-Loire, on a quoi? On a à Amboise les mini-châteaux, pour quand il y avait des bus de touristes. Vous arrivez et vous trouvez tous les châteaux de la Loire, là, dans le grand, comme un demi-terrain de handball, à échelle qui tiendrait là, sur ce bureau chacun. Ben oui. Mais qu'est-ce qui fait que quand tu es à New York et que la ville ne peut pas te la représenter, devient magique cette reconstruction à échelle d'une patinoire de la ville dans tous ses mystères et tous ses détails? Ça, c'est le texte de Régine Robin. On va aller vite. On va passer à Los Angeles. C'est peut-être un chapitre le plus fou de ce livre. Los Angeles, je ne dis pas L.A. parce que elle dit que dès qu'on dit L.A., qu'on le caricature, il y a une simplification qui ne va pas. Mais elle l'aborde comment? Je ne sais pas comment prendre Los Angeles. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a fait cet effet-là aussi. Vous louez une bagnole, vous êtes dans ces embouteillages, ça part dans tous les sens, les types qui doublent. Et il y a une réaction presque d'effroi. Prenez une rue, la rue fait 20 km. C'est pas une ville qui s'apprivoise. Moi, je pense que avec 2 séjours, j'ai pas apprivoisé Los Angeles. Le pire, c'est comprendre même est-ce que j'ai envie d'apprivoiser Los Angeles. C'est trop grand, c'est trop difficile. Par contre, il y a un auteur, Michael Connelly. Je sais pas si vous avez lu Détective Harry Bosch, Hieronymus Bosch. Moi, je le lis sur mon petit Kindle parce que bizarrement, c'est un Américain. I got it. Très vernaculaire, mais qui se comprend aisément. En tout cas, bon, ça me fait travailler ça. Et cette langue compressée, allusive de Connelly, bon, moi, ça me convient. Et ce Bosch parcourt sans cesse Los Angeles. Et les livres de Connelly s'appuient tout le temps sur ses trajets, sur ses attentes, quand il guette, ses observations, ses rencontres, les bistrots, les restaurants. Alors, tu sais pas comment décrire ou attraper Los Angeles? Eh bien, tu attrapes l'œuvre de Michael Connelly et puis tu prends comment Connelly écrit. Lui, il n'est pas d'origine californienne, Connelly, je crois qu'il est du Midwest ou de
peut-être même de, je sais qu'il vit en Floride, peut-être même, je sais pas, peu importe. Mais en tout cas, c'est la transposition de Los Angeles dans l'œuvre de Connelly. Qu'est-ce qui reste? Mais il reste les artères, il reste les points névralgiques, il reste les rapports de tension entre les quartiers, il reste les durées de déplacement d'un point à l'autre, il reste la complexité de ce tout petit downtown. Et donc si tu prends, non pas la ville, mais la ville quand elle devient sujet de l'œuvre de Connelly, tu as déjà une grille pour appréhender la ville. Et c'est fascinant, qu'on connaisse Connelly ou qu'on ne le connaisse pas. Et ce qui est un autre virage totalement impressionnant de son texte sur Los Angeles, elle va suivre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 pages, et puis le petit passage que je vais vous lire dans un deuxième chapitre, comment les cinéastes affrontent avec un autre outil que l'écriture, avec la possibilité de capter visuellement, de capter le mouvement, de s'inscrire en mouvement dans la ville, le fractionnement, le surplombement, l'hélicoptère, de comment la ville est devenue sujet du cinéma avant de devenir sujet même de l'écriture. Imitez Edward Ruschka. Notez tous les immeubles que l'on rencontre. Edward Ruschka, Every Building on Sunset Strip, Los Angeles, 1966. En son temps, au début des années 60, Ruschka s'était assigné pour but de photographier chaque immeuble des deux côtés du Sunset Strip et de le présenter en donnant le sentiment d'un ensemble continu. Il s'agissait donc de photographier 4 km du célèbre boulevard, pris dans ce qu'il a de plus légendaire, le strip entre Doheny et Crescent Heights. L'artiste fixa un appareil 35 mm sur une voiture et adapta un mécanisme d'entraînement motorisé permettant de faire avancer le film automatiquement et d'opérer un mitraillage exposant une bande de pellicules de cinéma noir et blanc contenant environ 250 images. Il inscrivit ensuite le nom des buildings, le numéro du boulevard, le nom de certaines rues perpendiculaires. Le côté sud du trottoir était représenté par la partie supérieure du dépliant, tandis que le côté nord figurait sur la partie inférieure. Le livre s'ouvrait en accordéon après un travail de découpage et de recollage sur le support et faisait une fois déplié 8,20 m de long. Alors je vous l'ai dit, curiosité à réouvrir ce livre dans le ce qui vous passe de deuil, de souvenir du visage de Régine Robin, une vivante. C'est que c'est par la lecture de Mégalopolis que je suis venu à la lecture de Bruce Begou. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je suis venu à la lecture du London Orbital de Ian Sinclair simplement parce qu'il était publié, je crois, chez Un Culte, c'est bien ça. Ce livre géant, complètement dingue. Vous savez, autour de Londres, une espèce de, comme à Paris, l'A86, une espèce de rocade qui fait tout le tour de Londres, mais à très longue distance. Je crois qu'elle fait 285 km. Et ce Ian Sinclair, pendant des mois, s'occupe à en faire le tour complet, mais invitant des amis, plasticiens, auteurs. Et ça donne ça. Ça donne le London Orbital. Eh bien, j'ai découvert que j'aurais gagné du temps, peut-être. Mais je crois qu'à l'époque, il n'était pas traduit. Wow ! J'avais totalement oublié qu'il m'avait été dédicacé par Ian Sinclair. Quel honneur ! Penguin Book 2006, Un Culte 2010. C'est-à-dire qu'elle, elle parle de l'édition anglaise, originale, à un moment où la traduction n'est pas encore parue. Mais là, c'est uniquement aujourd'hui que j'ai découvert qu'une des parties de son travail sur Londres, c'était de présenter London Orbital de Ian Sinclair. Alors c'est quoi son Londres ? Londres encerclé, morcellement. Que ce soit dans les romans ou dans les films, il semble que Londres ne puisse plus s'appréhender dans sa globalité. Chose qui, je pense, vaut aussi pour Paris, pour n'importe quelle ville. On ne peut plus fabriquer cette vision synoptique qui avait tellement hanté Balzac. Et donc, c'est comment on organise nos approches lacunaires, comment on superpose ces approches différentes pour redonner ce sentiment de la ville qui n'a pas, qui ne produit pas d'elle-même de vision unifiée. Mais elle, d'emblée de jeu, elle attaque là-dessus, il y a 10 ans de ça.
Mégapole de plus de 7 millions d'habitants, la ville est tellement fragmentée, fractionnée. Elle a connu de telles transformations, un développement si vertigineux, que chacun est réduit à son morceau de Londres, son quartier, son village, son bout d'autoroute, sa rue de banlieue ou son couloir de correspondance du tube, le métro londonien. Aucun Dickens ne pourrait émerger de ce chaos. Ben non, mais il émerge London Orbital, que tu le veuilles ou non. Andrew Gibson fait remarquer que si Angela Carter, comme romancière, régnait sur le sud, G.J. Ballard sur les banlieues de l'ouest, que Michael Moorcock écrit sur l'ouest et le centre, Jane Sinclair, lui, est le roi de l'est de son quartier de Hackney, Peter Ackroyd, quant à lui, n'en pince que pour Claire Kenwell, etc. Ça, c'est intéressant, cette géolocalisation des auteurs dans leur relation à un morceau de réel qui ne recompose pas une ville écrite générale. Ce caractère informe de la mégapole, nombre d'écrivains s'en sont fait l'écho, comme Salman Rushdie, ou chez qui l'image de Londres est celle d'un Capharnaüm indéchiffrable, ville instable, révélant sa vraie nature, capricieuse, tourmentée, l'angoisse d'une ville qui a perdu la sensation d'elle-même et qui en conséquence se vautre dans l'impuissance de son égoïsme, dans son présent furieux de masque, de parodie, étouffée, écrasée par le fardeau insupportable de son passé dont elle ne se débarrasse pas, les yeux fixés dans le vide de son avenir appauvri. Tiens, ça c'était une citation de Salman Rushdie, que j'ai jamais lu d'ailleurs. Alors elle, vous allez voir, j'ai voulu, à ma façon, expérimenter cette fragmentation, jouer avec ces éclats déconnectés, disparates, m'insérer dans cette topographie de l'absence. C'est la lecture d'un article extrêmement stimulant de Rod Mangum qui m'a donné l'idée de ce que j'allais accomplir. Quasiment personne ne s'est rendu au terminus de toutes les lignes du métro de Londres, écrivait-il. Il faudrait être fou. Cela demanderait qu'on s'expose à une trop grande variété de paysages, de lieux. Le plan du métro nous trompe, ajoutait-il, avec ses lignes symétriques, ses diagonales, sa géographie ordonnée, sa rationalisation. En surface, les choses sont autrement irrégulières. Et à chaque moment du livre, pour chaque ville, elle nous présente un schéma cartographique des principales liaisons. Ici, c'est le métro. En surface, les choses sont autrement irrégulières. C'est au terminus que ce bel ordonnancement se fige et se défait. Là, quelque chose de cette ville immense se dissipe et se dissout. À mon tour, je me suis donné comme but de cerner la ville, de la traverser à ma façon, en l'encerclant. Pour cela, je me suis effectivement rendu à tous les terminus de toutes les lignes de métro. Un travail à temps plein qui m'a pris plus de 15 jours. Je partais vers la fin de la matinée de l'endroit où j'habitais, du côté de Gloucester Road, en me fixant pour but de faire une ligne. Je partais vers le terminus nord, nord-est ou nord-ouest de la ligne. Cela prenait entre une heure et une heure et demie. La plupart des lignes sont souterraines sur une grande partie de leur trajet. Il me fallait donc prendre mon mal en patience, observer les voyageurs, afficher un air dégagé. Dès que la ligne passait en surface, je sortais mon carnet, prenais frénétiquement des notes, décrivant tout ce que je voyais. J'arrivais enfin au bout de la ligne, j'observais le quai, les écriteaux, les panneaux, l'architecture, je sortais de la station. Là, toutes sortes de surprises m'attendaient. Parfois, je tombais sur un tissu urbain dense, une rue principale avec de nombreux terminaux d'autobus, des boutiques, des cafés, des centres commerciaux animés. C'était des quartiers d'immigrants aux femmes voilées ou au contraire des quartiers petits bourgeois, très banlieusards. J'allais prendre un café, j'observais les gens, je longeais les boutiques, tentais de deviner vers quel lointain se dirigeaient les autobus. Parfois, je sortais quasiment dans la campagne qui commençait à se colorer de jaune et de rouge en ce début d'automne. Je ne voyais pas de village, seulement des collines et au loin un clocher et une espèce de presbytère émergeant de murs couverts de lierre. Je cherchais le village ou le centre de la petite ville, trouvais enfin quelques rues autour d'un clocher et souvent un restaurant pour voyageurs égarés où j'entrais avec l'idée de me faire raconter l'histoire du coin. Au bout d'un certain temps, je reprenais la ligne et allais au terminus opposé. Quand j'arrivais au sud, au sud-est ou au sud-ouest, d'autres surprises m'attendaient. Cela ressemblait ou pas à ce que j'avais vu la veille? Cela se raccordait ou pas à un paysage familier? Je m'interrogeais, était-ce encore Londres, le grand Londres? Comment savait-on qu'on en était sorti? Était-ce un simple
problème administratif. Pendant 15 jours, j'ai voyagé ainsi, de terminus en terminus, descendant autour du Central London, une couronne, un cercle, à l'intérieur du tracé du périphérique, le M25, celui que Jane Sinclair a pris comme objet d'étude et de performance. Et ainsi de suite. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Et nécrologie, c'est pas mon truc. Je vous dis, on ferait plus que ça. Il faut se durcir. La question, c'est ce qui reste. Ceux qui partent et qui emmènent avec eux leurs livres, on les trouve plus. Et puis d'autres fois, un livre qui a jamais cessé de battre là, à côté de vous, et je vous dis avec cette chose très curieuse que quand elle parle des villes dont elle se saisit, elle parle de celles et ceux qui l'écrivent, la photographie, la film. La ville devient une sorte de corps pour des démarches qui s'en saisissent. Et donc vous êtes vous avec les démarches. C'est pour ça que quand vous le reprenez, attends, et moi là, ça part. Là, en ce moment, moi je suis dans les bars et bistrots, à cause de ces bars et bistrots fermés. Vous le savez. C'est généreux. Rivka Hagerstein, qui a pris comme nom d'écriture Régine Robin et qui a choisi de faire sa vie à Montréal. D'ailleurs, là-bas, un très bel hommage dans Le Devoir et tout ça. Bon, c'est par un ami québécois que j'ai appris son départ. Mégapolis, façon de dire au revoir.